Continuez vos applaudissements, Salim, il le mérite amplement. Je peux vous assurer qu'il peut être fier, encore une fois, de ce qu'il va faire devant vous. Alors, on va les laisser, bien sûr, avec Tiffany, repérer, se remettre encore une fois par rapport aux points qu'ils se sont fixés au départ. Et à partir de maintenant... S'il vous plaît. Salim, tu vas dire un petit mot. Tu vas dire un petit mot au public. Je vais te passer le micro. Tu vas leur dire un petit mot parce qu'il faut que tu nous parles un peu de tes sensations là-haut, toi. C'est dur. Hein. Avant tout, un grand merci à vous tous. Je viens de passer probablement un des meilleurs moments sportifs que j'ai jamais vécu. Grâce à vous, je vous remercie beaucoup. Je tiens à remercier tout l'investissement de formidables personnes grâce à qui ça a été possible. Avant tout, la personne que j'ai obligée à courir, malheureusement, elle ne court plus sur un cheval, elle court à pied maintenant. Tiffany, qui me prête sa voix, ses jambes, qui fait un peu tout, qui me permet de vivre ma passion à fond. Guillaume Canet, bien sûr. Guillaume qui fait tout pour que je me prenne pour lui dans Japlou, je trouve ça génial. Et Thierry Rosier et Philippe Rosier, bien sûr, champion olympique comme crieur. Mais qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, ma parole. À part, bien sûr, enchaîner à Tours sur le Longines Masters de Paris et Sage de Doigts.
à la formidable invitation de Christophe Hameux qui est aussi fou que moi et qui est fou de nos amis les chevaux, un peu comme vous tous autour. Encore une dernier remerciement pour mes écuries, tous ces gars-là qui étaient sur les obstacles, c'est des personnes de mes écuries qui ont fait le déplacement de Bayonne exprès pour me prêter leur voix et ne plus en avoir pour toute la soirée et encourager les cavaliers du 5 étoiles qu'on va voir après. Merci, 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 merci mille fois à tous. Merci Salim, merci beaucoup. Et c'est pas fini parce qu'encore une fois, c'est une belle histoire, une très très belle histoire. Il rendait hommage à Guillaume Canet qui est à mes côtés en rappelant encore une fois tout l'investissement de Guillaume. Et ça a commencé il y a de ça quelques temps lorsqu'ils se sont rencontrés et Salim était à la recherche justement d'un nouveau cheval puisqu'à ce moment-là, il montait à cheval, comme je vous le disais, donc guidé par un autre cavalier. Le cheval avait fini donc sa carrière et il s'est dit « bon, j'ai besoin de retrouver un cheval, je vais avoir besoin d'en trouver un ». Il a utilisé les réseaux sociaux qui se sont fort mobilisés. Guillaume a donné beaucoup de son investissement, encore une fois, pour mobiliser le monde entier. Et un certain René Lopez, qui à l'époque avait un cheval confié à sa fille, a dit « mais finalement, moi, je vais lui donner ce cheval ». Sa fille a dit « moi, j'aurais peut-être pas suffisamment le temps pour monter ce cheval et je pense qu'il ira certainement beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que moi avec Salim Eljlani ». Il a offert le cheval que vous avez devant vous et ça, je crois qu'on peut saluer encore une fois René Lopez, le cavalier colombien, salé en France, que la gentillesse. Et on va passer la parole maintenant à Guillaume. Guillaume. Moi, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que Salim, voilà, il m'a ému déjà il y a 2 ans quand je l'ai rencontré à la boule. J'avais trouvé ça extraordinaire. Sa passion, son engouement, son envie. Et je trouve que c'est une vraie leçon de vie qu'il nous a donnée ce soir à toutes et à tous. Et voilà. Et je pense que c'est un exemple de vie. Moi, je voulais partager ça avec vous. Je dis un immense merci à Christophe Hameux parce qu'il a répondu présent immédiatement quand je lui ai parlé de Salim. Et je lui ai dit, il faut faire quelque chose pour simplement le mettre un peu en lumière et que Salim essaye justement de se mobiliser aussi pour que les personnes non-voyantes puissent monter et ressentir les mêmes sensations que nous. C'est un très grand cavalier, je le dis, parce qu'au-delà de l'handicap qu'il a, il monte très très bien. Et je pense qu'il y a des cavaliers qui montent moins bien et qui voient très bien. Donc, vraiment, je voulais vraiment le féliciter, le remercier pour ce qu'il nous a donné ce soir et te dire un immense bravo, Salim, et dire un grand bravo aussi à ton cheval, Rhapsody, et dire un grand, grand, grand bravo. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'on n'a pas assez applaudi tout à l'heure, Tiffany. Donc voilà, vous nous avez offert un beau moment. Merci. Et merci à vous d'avoir été si présents. Merci, merci beaucoup. Merci Guillaume, merci Philippe, merci Thierry. Voilà, un moment, comme il le disait, un moment, il y a de l'émotion, il y a aussi une vraie passion à partager. Justement. Exactement, et je l'espère, en tous les cas, une ouverture, parce qu'encore une fois, on espère que ce ne sera pas un one-shot, hein, que tout cela va perdurer dans le temps, va peut-être aussi nous permettre bien d'ouvrir une fameuse brèche et de donner, encore une fois, l'espoir à chacun d'entre vous de se dire « Non, non, tout n'est pas fini, et au contraire, on peut eh bien pallier à certaines situations lorsqu'on se retrouve justement en situation de handicap, de vivre pleinement cette passion. Et ce que vous venez de voir avec Salim Eljlani et Rhapsody, on est la parfaite illustration. Photos de famille avec celles et ceux qui ont participé, que vous pouvez applaudir. Solène, Léa, Alix, Chloé, Emma, Hélène, Emma, Camille, Thomas, Elodie, Guillaume Canet, bien sûr, Thierry, Philippe Rosier. On a le plaisir aussi d'avoir donc Christophe Hameux et toute l'équipe organisatrice justement de ce grand et beau moment en ouverture. Vous comprenez pourquoi je disais que naturellement on avait bien un 29e parmi ce j'ai tout à fait raison, c'est exactement ça. Il y a un 29e cavalier professionnel en tout cas, surtout qui partage cette passion-là. Bravo, bravo Salim, et je l'ai dit, nouvelle fois. Bravo, merci beaucoup. Allez, go. Allez, allez, allez. Bravo donc, vous pouvez une nouvelle fois le raccompagner. Salim Eljlani, mesdames, messieurs, pour mon ami. Et un grand merci à mes potos Rosier, Thierry et Philippe. C'est prêt au jeu. Au revoir. Il a bien fait le là. Il a même pas fait pas là. Il a bien donné le là. Bravo. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci d'être là. Yannick, dans quelques secondes, et eh bien encore une fois, les 28 meilleurs cavaliers qui seront au départ de cette Gold Cup Seneca ici. Et derrière, après,
Il y a encore plein de surprises. Restez avec nous parce qu'il y aura bien sûr le podium, il y aura la course de poney et il y aura le programme tout à l'heure où on va pouvoir sourire. Là maintenant, c'est émotion. Tout à l'heure, on pourra sourire en fin de soirée. Ça va être émotion, ça va être sport, ça va être grandiose, mesdames, messieurs. Alors pour celles et ceux qui viennent juste de nous rejoindre, permettez-nous tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir. On va juste vous rappeler un petit peu, avec Philippe Lejeune, les règles du jeu en tous les cas. Vous rappelez qu'il y a eu, c'est ça Philippe, un premier tour ce matin pour certains d'entre eux. Et les 25 meilleurs se retrouvent donc maintenant qualifiés pour l'ultime confrontation. Avec 9 obstacles. Exactement. Et donc, ils seront plus 23. Il y a deux nouveaux partants annoncés dans cette épreuve avec un temps accordé établi à 54 secondes pour nous donner force de mettre un level this course and about 12 kilometers. We'll get a time of 54 seconds with 23 starts. On continue. Déjà ce matin, il y avait une belle ambiance. There was a nice atmosphere this morning and we found ourselves, of course, on the crowds. Il y en a une très très belle ambiance ce soir, vous pouvez en être sûr. Alors on va juste rappeler, vous l'avez vu, hein, le parcours évidemment.